Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Nuzlocke après une pause de 2 jours. Et eh oui, vous avez vu, j'esquive les dresseurs car j'ai pas envie de combattre. Hop là, voilà. Esquive. Il me semble que la suite se passe par là. Il y a Lily qui va nous attendre. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Doudou, ne t'éloigne pas trop. Mais si. Ah, ben c'est toi. Mon doudou s'est aventuré tout au fond de ce champ de fleurs. On s'en fout. Alors qu'on vient d'éviter la catastrophe sur le pont suspendu, voilà qu'il refait des siennes. Oh, écoute. J'ai très peur. Un bon bidou, le fameux Pokémon Moucheron, on va le dire. Peut-être qu'un pistolero dans sa face va le calmer. Alors, un abonné m'a conseillé dans les commentaires de renommer notre petit Machoke Thibaut InShape, et je trouve ça très drôle, alors c'est un oui. Thibaut InShape, c'est marrant, c'est vraiment très drôle. Oh, un crisacier. Attention, j'ai peur. Encore une fois, on pourrait peut-être le one shot. Bon, c'est bon. C'est largement bon. Ah, voilà. Master Sensei, oh, je déteste ce nom. Je lui ai donné la CT là, de l'autre fois. Ça devait être point karaté ou un truc dans le genre. Une filet ball, c'est bien par là qu'il faut passer. Attention, encore un combat contre un Pokémon qui va vite être éliminé. À moins que ce Chlorobulle pourrait peut-être nous poser des ennuis. Qu'en pensez-vous? Me faire voir enjôleuse dans sa petite tête de pingouin là. Oh non, pas ça. Plus jamais tu refais ça. Plus jamais. Il faut qu'on fuit. Vite. Ah, c'est la pire attaque du monde ça quand l'adversaire t'endort. Bon, écoutez, on va fuir. On va constamment fuir. Je pense que c'est la meilleure option qu'on a pour le moment. Vu que, regardez, il dort. C'était censé être un ronflement. Je sais pas si vous l'avez reconnu. Alors, t'as fini d'emmerder le monde, toi? Piou. Oui, c'est bien. PewDiePie. Tu es vraiment intenable. Piou. Merci beaucoup, MP. Oh oui, soigner mon équipe. Ça, c'est une très bonne initiative. À propos, j'ai lu quelque chose. Apparemment, il existe un Pokémon appelé Plumeline qui changerait d'apparence. Ah oui, ça, c'est inutile. Allez, va dans le sac, toi. Youhou, MP. Ah, et Lily aussi. Tilly, qu'est-ce que tu fais là? J'ai fini l'épreuve, les doigts dans le nez. Oui, moi aussi. Ah d'accord. Ah ok, d'accord, ça se passe comme ça. Moi je ne pouvais pas savoir, je ne pouvais pas prévoir. Oh, bah tiens, il a évolué son. Ça fait rapide quand même, je trouve. Oh. Il me fait peur son connard de Pikachu là. Ouh. Oh non, oh non. Tout sauf ça, mec. J'ai peur pour ma vie. Attention, je prends le risque. C'est bon. Son Pikachu est géré très facilement. On va monter au niveau 18. J'utilise que lui parce que les autres, je leur fais pas confiance. Jean Damien monte au niveau 15. Il apprend toujours aucune attaque.
C'est pas possible ça. Bah voilà, ils montent tous de niveau. Un Flamiaou, on va dire qu'on change toujours pas. Ton Flamiaou aurait largement eu le temps d'évoluer. Si je puis me permettre. Hein. Pff, la paralysie ne me fait absolument rien. Il est nul, Tilly. Il est vraiment nul. Petit Wyndshape monte au niveau 12. Oh là là, c'est aller trop vite. Mais oui, mais oui, mais oui, mon petit. Je te crois. Mais tu as perdu. Ouais, toi et moi, on a vaincu le Pokémon dominant. On progresse. Ouais, enfin, c'était pas non plus très très dur. Tilly, alors comme ça, tu as réussi l'épreuve? Tranquille, j'espère que tu as utilisé les capacités qui vont bien et tout. Oh, super, les dialogues inutiles. Allez, bon, allez, il va falloir se battre contre le doyen, la grande épreuve, blablabla. Allez, allez, tais-toi, laisse-moi passer. Tu lui passes derrière comme ça. La super potion gratuite. Toujours sympa hein, d'avoir des trucs gratuits. Quand c'est gratuit, faut pas hésiter à se servir. Alors. Par où allons-nous passer? Mais bien par le même endroit qu'avant. Allez, il faut aller battre leur papé. Maintenant que t'as réussi ta première épreuve, j'ai hâte de te voir à l'œuvre. Je parie que tu y mets toute ton âme, comme moi quand je surfe sur une belle vague. Non. Je te tire mon chapeau, je ne suis pas dresseuse, mais je dois bien avouer avoir été impressionné. PewDiePie. On va dire ça à chaque fois qu'il y aura Mipiou. Bon allez, le combat. Des capacités vol et psy. Ça tombe bien, c'est absolument pas du tout ce que j'ai. De type fée, ça marche aussi, non? Bonjour monsieur. Oui. Allez, c'est l'heure du duel. Il va encore nous faire un discours. Ah! C'est Denis Brogniart. À nous deux, jeunes dresseurs. Avant tout, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se sont lancés dans cette formidable aventure qu'est le Tour des îles. Mais trêve de formalité. Place à l'ultime épreuve de mêlée-mêlée, un combat Pokémon contre le doyen de l'île, c'est-à-dire moi. C'est ce qu'on appelle la grande épreuve. À nous deux, mon petit MP. Toi, Kitokoriko, a remis la gemme lumière, ton partenaire, Scatman, Rotarlet, et toute ton équipe. Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre et je vous montrerai pourquoi on me surnomme la terreur de Mêlée-Mêlée. Cette grande épreuve sera musclée ou ne sera pas. Attention, musique qui change. Pectorius le doyen. Ah, il a trois pokés. Ah, je ne me souvenais plus, je croyais qu'il en avait moins. Enfin bref. Il me semble que les attaques de type fée, ça marche bien sur les Pokémon comme ça. Calme-toi. Ah oui, ça marche bien. Bon, il devrait être assez vite terminé. Du coup. Et voilà, faire au singe, au revoir. Fais des bisous à ta maman. Un Makuhita. Ouf, non, ça on change pas, non. On sait pertinemment qu'on est plus rapide. Non, ah non, même pas. Il fait bluff en même temps. C'est le moment d'utiliser une super potion. Ah oui. Sinon, c'est pas marrant, on s'amuse pas. Oh, jet de sable, pire capacité du monde. Plus jamais tu refais ça, toi. Plus jamais. Ouh, il est costaud le vilain. Oh non, mais mec, arrête de faire ça, quoi. Est-ce que j'ai une attaque qui peut ne pas louper? Voix enjôleuse, ça peut pas rater, donc de toute façon. Autant continuer avec ça. Pour terminer son petit Makuhita qui va faire que des jets de sable, mais qui sait pertinemment qu'au fond il va perdre. Oh, c'est vraiment dommage. Makuhita, je suis désolé pour toi.
Ouf, il monte vite de niveau. Il va prendre balayette, notre petit Thibaut InShape. Alors balayette, tac de 65 de puissance, casse-brique c'est plus puissant, point karaté c'est pas trop mal non plus, puissance c'est pas ouf, clairvoyance je vais oublier ça parce que j'en ai pas forcément besoin en ce moment, crabagarre, bah on ne change toujours pas, écoute. Lui par contre je sais pas si... Est-ce que l'attaque de type fée va réellement marcher sur lui? Oui, ça marche toujours aussi bien. Genre, j'aurais pu ne faire que cette première île avec un Pokémon en fait. Enfin, du moins les vraies épreuves. Voilà. Au revoir. Pectorius, c'est terminé. On l'a vite terminé quand même, hein. Oh là là, il est MDR, PTDR XD, trop lol. Je sais pas comment lire ce truc. Ta victoire ne doit rien au hasard. Tu es sans contexte un excellent dresseur avec d'excellents Pokémon. Tocorico! Parce qu'en fait, ça fait comme un coq. C'est Cocorico, sauf que c'est un toco. C'est pas drôle. On a le cristal Z qui permet d'utiliser la force Z de type combat. Ce qui pourrait être extrêmement utile avec, je sais pas moi, un certain Thibaut InShape. Pour le moment, Master Sensei. Grande épreuve réussie. Pas mal. Attendez, je viens de me rendre compte que l'écran n'était pas bien centré. Petite musique. MP, regarde bien. Ah oui, les fameuses pauses qu'il faut prendre. Ouh. Sur ce, mon petit MP, j'ai l'honneur de t'annoncer que tu as terminé toutes les épreuves de Mêlée Mêlée. On va pouvoir passer à la deuxième île. Ça, c'est bien. Il va pas nous donner aussi autre chose. Ah oh, oui. La Pokémonture. Tout doux, Tauros. Ah oh oui, je veux utiliser Tauros comme monture, non mais dis donc. C'est génial la monture. Les montures, c'est ce qu'il y a de mieux dans le jeu. Avec. Et puis on aura la tenue bizarre aussi. Attention, cinématique. Cette tenue est vraiment horrible. Bon, on rencontrera de nouveaux Pokémon qui nous rendront service. Et l'appel monture. Super, l'appel monture, c'est génial. Oui, c'est tout bête. On ira beaucoup plus vite avec ce Tauros. Oh, Altéo, lui, je l'aime bien, lui, c'est mon ami. Remporter la victoire sans utiliser la force Z, je dois avouer que je suis impressionné. Fais-moi signe quand tu repasses dans le coin, on se fera un petit combat Pokémon ou une soirée relooking. Non? Tu parles mieux, s'il te plaît. Alors, MP, maintenant que Tauros est avec toi, tu vas pouvoir aisément détruire les rochers qui jalonnent la route. Un petit cabot. Cabot. Un petit cadeau. Fauchage. Ça sert plus à la fin du jeu pour attraper plein de Poké. Mais ça sert quand même. C'est pas trop mal tout de même. Attention, Lily va nous parler. Gnagnagna. Tu veux le ramener d'où il vient? PewDiePie. Oh non, je voulais mettre que elle ne pouvait pas compter sur moi. PewDiePie. Alors, le Elfamoso bouton Y, c'est encore une fois sur l'écran du bas que tout se déroule. On peut charger comme ça là. Faut que j'aille parler à ma mère. Oui, d'accord. Ouf. La puissance de taureau, c'est sans égal. Dégagez, vous gênez. Oh, Tauros. Bon. Maman, on a quelque chose à te dire. Oui, j'ai réussi la grande épreuve. Prochaine étape, Akala. Pour s'y rendre, nous devons prendre le bateau. Au revoir.
Ça va être beaucoup plus... On va y aller un peu plus vite quand même, hein. Le mec Tauros là... Il va tellement vite. Alors du coup je vais donner la combat élite à notre petit Thibaut in shape. On l'appelle comme ça pour prendre l'habitude. Même s'il y a marqué Master Sensei, vous en faites pas, c'est Thibaut in shape. Bouge-toi là, la vieille. Vous dérangez. Laissez passer le mec qui a réussi toutes les épreuves. Bonjour madame. Alors oui, super le bateau. Vous êtes sûr qu'on va pas couler avec votre vieux rafio? Oh, on ne se moque pas, c'est un modèle de connexion, nuance, de connexion. Mais j'arrive plus à parler, c'est l'AVC. PewDiePie. Bon MP, tu montes ou t'attends le déluge? Oui, j'arrive, c'est bon. Il va se calmer là. Attention. Cinématique! Avec une musique de ouf. Je suis le roi d'Alola. Hey, professeur, vous pouvez mettre la gomme pour voir? Non. Sinon, on coule. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Elle est dit par eux. Même si elle est débile, t'as juste peur de perdre ton chapeau, avoue. Bon, je vais baisser la musique là. Ça commence à me saouler. Chaque vidéo doit avoir sa partie chant. C'est gênant. Je crois qu'en plus c'est sur Akala qu'on peut renommer nos Pokémon, si je me rappelle bien. Oh là là. Akala. Je me souviens parfaitement de cette épreuve de type plante à la fin. Il y a de très fortes chances que ce soit là-bas qu'on se termine. Hein. Ou alors, je ferai XP mes Pokémon, mais vraiment énormément. Pour être sûr de pouvoir la passer. Tada, nous voilà arrivés sur l'île d'Akala. On débarque de la barque. Ouf, c'est... Moi j'ai trouvé ça très drôle. Alors, non, c'est pas drôle. Tu peux tirer la tête. Pourquoi vous réagissez comme ça? Y a absolument... Ils ont quand même des réactions bizarres. Ah là là, Euphorbe et sa légendaire blouse blanche déboutonnée. Oh là là, professeur Euphorbe. Ah oui, ils doivent se poser des questions. Oh bah tiens, c'est bizarre. Comment elle s'appelle? Alixia. Barbara, toi je t'aime pas, toi. Je te hais. Moi j'ai tous les ingrédients pour l'épreuve. Putain, j'ai une tête de flan. C'est de vous deux que je parle, vous avez des têtes à aimer les Pokémon. Ouais, sans blague. Ça promet, n'oubliez pas que Barbara n'est pas la seule capitaine de cette île. Qu'est-ce que vous comptez faire à présent? Bon, allez, sachez que j'attends notre combat de pied ferme. Ah, c'est la doyenne d'Akala. Allez, bougez-vous là. Laissez-moi ma liberté. Bouge de là. Dégage. Ils ont du mal à comprendre. Mais bon, il y a trois épreuves, plus la grande épreuve de l'île. Si je ne me trompe pas, ici, les épreuves, c'est eau, feu, plante, tous les types élémentaires, et la doyenne, c'est de type roche. Motisma, tais-toi. Je ne veux pas te parler. Donc, normalement, si je ne me trompe pas, pour renommer les Pokémon, c'est juste ici. C'est lui, là, je crois. Je suis le spécialiste des noms. Ah oui, exactement. Oh, c'est pas...
C'est parfait. Master Sensei, c'est un surnom parfait, fais-moi confiance. T'es sérieux là? Bon. Je t'aime pas. Mais je veux le changer. C'est pas parfait du tout. Bon, on va s'arrêter là pour la vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu pour la suite des aventures. Et on se retrouve bientôt pour la suite de ce Nuzlocke. Allez, salut!